Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du mercredi 28 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant cela, revenons sur le quintet de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Comme prévu, le favori de la minute quintée, Kerat, qui portait le numéro 8 et était entraîné par Frédéric Rossi, s'impose. Top Prono réalise un joli exploit en donnant tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus de 533 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup de compétiteurs trouvent également le quintet dans le désordre. C'est notamment le cas pour les trois premiers du jour que sont Marcel 88, Aldo 053 et Turfweb qui s'emparent donc des trois premières places du podium. Bravo à tous les trois. Allez, place maintenant au premier quintet du meeting hivernal 2020-2021 de Paris-Vincennes. En ce mercredi 28 octobre, c'est le prix de Soulac, première course de la Réunion 1, qui sera sur le pont. Cette compétition à l'allocation totale de 49 000 euros réunira 16 trotteurs français âgés de 7 à 10 ans. Sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste, nous pensons que nos favoris ne devraient pas manquer leur premier objectif de l'hiver. Cruzeau et Danama, le numéro 11, est un élève de Jean-Michel Bazir qui a rejoint ses box il y a quelques mois maintenant. Transformé depuis et performant lorsqu'il est déféré des quatre pieds comme ce sera le cas aujourd'hui, il ne va pas manquer son premier objectif de l'hiver avec l'aide de JMB à son sulky. Domouginilou, le numéro 12, est un élève de Grégory Torel qui affiche une belle régularité dans l'ensemble. Venant de prendre une cinquième place sur l'hippodrome d'Angers lors d'une épreuve bien plus relevée que celle du jour, il décevrait sérieusement son entourage en ne terminant pas dans les cinq premiers. Brindor, le numéro 16, qui effectue un long déplacement depuis le sud-est de la France pour concourir ici, partira avec la grande confiance de son entourage et notamment de son pilote Mathieu Abrivard. Charme de Star, le numéro 15, piloté pour la circonstance par Éric Raffin, jouera certainement à qui tout double s'il est décidé. Kumba Kuki, le numéro 9, qui reste sur un plaisant succès obtenu sur l'hippodrome de Reims, se présente déféré des quatre pieds face au mal avec l'ambition de les regarder dans le blanc des yeux. Classe Action, le numéro 8, élève de Charles Dreux, a énormément de moyens. À l'aube d'un bel hiver, elle peut s'illustrer dès aujourd'hui. En cas de non partant, Altea Piancourt, le numéro 4, courageuse en diable, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.